24 heures. On a tous 24 heures dans une journée. Pas une de plus. Même si une 25e heure serait la bienvenue. Alors, comment jongler habilement entre vie de famille, sphère professionnelle, tissu relationnel et son propre écosystème personnel durant ce laps de temps? Notre niveau de productivité est étroitement relié à notre jauge d'énergie, de motivation et de concentration. Mais pas seulement. Le cerveau humain est une machine complexe à programmer, mais enfantin à exploiter. Voyons à présent les 10 clés qui vont drastiquement améliorer ta productivité. En première clé, je te la dévoile les pieds dans le sable. Mais attention, ça m'empêche pas d'être productif. La puissance du savoir dire non. Mon chat, est-ce que tu peux me passer mes lunettes, s'il te plaît? Ouais. Merci. Mon chat, est-ce que tu peux envoyer un mail au syndic? C'est assez urgent, il faudrait le faire là, rapidement. Là, maintenant, là? Ouais. Ok, oui, si tu veux. C'est bon? Ouais, ok, super. Ah aussi, mon chat, est-ce que tu peux contacter l'assurance? Oui. Ouais, moi je vais le faire, ouais. Ouais, tu le fais là? Parce que c'est assez urgent, ce serait top si tu peux les appeler rapidement. Ok, parfait. Super. En deuxième point, fabrique-toi ton écosystème de travail idéal. En troisième, neutralise tes patterns de distraction. Allô ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de bosser là. Quoi ? Piqué et Chacaré sont pas ensemble ? Non ! Sérieux ? En 4, un cerveau monotache couplé à un timer actif. Allez, je me mets 30 minutes sur les mails et je fais que ça. Ouais, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Bah moi je suis en train de traiter des mails là et puis je prépare à manger parce que le petit chat il va pas tarder, hein, puis tu sais bien comment c'est. Hein. Ah oui. Ah. Donc ouais, là je lance puis quelques mails là, encore 5 minutes, ça me saoule. En 5, reprends le pouvoir sur ton agenda. En 6, mise sur ta fenêtre de productivité maximale. Tu vois, moi le matin, j'ai un pic d'énergie de 7 à 8. Je me sens bien. Et aussi, en tout début d'après-midi, genre 14-15 heures, je me sens en pleine forme et je suis souvent super productif. En clé numéro 7, élabore chaque jour un top 3 prioritaire et commence par boire le poulpe vivant. Alors, les 3 tâches prioritaires du jour. En 1, montage vidéo YouTube. En 2, booker la plongée aux Philippines. Et en 3, faire la vaisselle. Bon, on verra ça demain, hein. Déjà le 8e type de productivité, s'autoriser à déléguer, regrouper, éradiquer et planifier une action. Alors, les tâches à effectuer, on a faire du snorkeling, important, urgent, vérifier le moteur du van, pas important, pas urgent. Séance de sport, très important, très urgent. Réserver votre vol retour en France, ni important, ni urgent. Et se détendre à la plage. Urgent. Important. Voilà. Non mais attends, mais ça va pas du tout ton truc. Quoi? Tu mets la séance de sport hyper important et l'huile moteur pas important. Bah ouais. Bah c'est plus important de vérifier l'huile moteur. Ta séance de sport elle peut attendre, non? Mais si on a un problème de van, je le pousserai, t'inquiète. Mais...
Ah, c'est pareil. Là, tu mets se détendre à la plage, alors qu'on avait dit qu'il fallait réserver les vols. Non, Minou, mais il fait trop chaud, là. Il va le retour, on s'en fout. Mais le vol retour, il va prendre des centaines d'euros. Pff, on s'en fout, vas-y, vivons au jour le jour. En 9, freiner les tâches chronophages énergivores pour accélérer l'enthousiasme et stimuler la créativité. Oh non, flemme. Allez! Toi tu essuies, tu te mets là, moi je lave, je prends ça, on y va. T'es bien motivé toi. On danse, on se remue. Bon bah allez hein. On pompe. Allez, 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 vas-y, envoie la vaisselle, j'y suis. Allez, on fait vite, on est efficace. Là. Pour finir, le 10e et dernier conseil. Soigner son corps, soigner son esprit pour se mettre dans cet état de flow intérieur. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je mange des chips. Ah. Ouais, tu dis à tout le monde qu'il faut se faire plaisir. Minou, dis pas n'importe quoi. Je dis qu'il faut prendre soin de son corps et de son esprit. Pas manger des chips, faire de la relaxation, manger sainement. Bah, je le ferme alors. Ouais, tu fais bien, ouais. Ah, mais j'ai oublié de te partager un bonus. S'appuyer sur les outils numériques pour accroître son efficience.